télé de l'eau. Miroir et reflet. Aujourd'hui, Laurent, moi, l'eau, on reçoit un entretien. Loulou, ici présente, qui nous reçoit chez nous. Loulou, bonjour. Bonjour, Laurent. Alors, ma chère Loulou, tu connais un petit peu le principe de ces portraits. Et donc, je te demande, peux-tu nous parler de toi, ce qui t'a conduit à être le bel être que tu es aujourd'hui, ton chemin de vie? C'est un long parcours. Je me présente, Louise, j'ai 57 ans. On va partir de l'enfance. Moi, je suis née d'une famille dysfonctionnelle. Un père complètement absent. Une mère avec une maladie mentale. Maniaco-dépressive, puis il y a autre chose aussi avec ça. Puis j'ai un frère. Puis. Avant l'âge de 10 ans, j'ai aucun souvenir. Je pense que c'est par rapport à un traumatisme de la séparation de mes parents. Quand que ma mère nous a annoncé qu'elle se séparait, ben qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, elle nous a dit « Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de vous autres. » Puis à partir de ce moment-là, inconsciemment, j'ai pris soin de ma mère. J'ai soin de mon frère. Puis. Parce que tu avais 10 ans, ça? Oui, j'avais 10 ans. Puis. J'étais pas consciente à l'époque, c'est bien sûr, de la gravité que ça aurait engendré, tout ça. L'impact que ça a eu sur ma vie au complet, c'est. C'est incroyable, là. Ah, regarde, là, j'ai un blanc. Tu as un blanc. J'ai un blanc. Ça doit être la, nervosité de la caméra. Bon, OK. Puis, on va respirer, là. Ça va bien aller. Non, mais c'est fou, de caméra. Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Bon, OK. C'est toujours plus facile, c'est vrai, de poser des questions des fois que d'y répondre. Oui, l'anxiété en dedans, là, ça approuve. Donc, tu t'es retrouvée à l'âge de 10 ans, donc... tu portais la charge de ta famille, de ton frère, je crois que tu avais un seul frère. Oui, j'avais juste un frère, puis ma mère, ben, est prise au dépourvu, puis tout ça. Bon, puis c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai fait de l'amnésie sélective du passé d'avant, à cause de ce traumatisme-là. Puis... j'ai tellement pris ça sur mes épaules que j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence. Puis à l'époque, on sait que il n'y avait pas de travailleur social. Puis la famille, ben la famille me remettait les responsabilités, eux autres aussi. Occupe toute ta mère. Pauvre petite Pierrette est malade. Puis il faut que tu en prennes soin. Puis il faut pas que tu sois étonnante. Puis il faut que tu t'occupes de ton frère. Fait que c'est ça que ça a fait. T'étais dans un milieu social ouvrier? Un milieu social défavorisé. Quartier Hochelaga-Maisonneuve, ceux qui demeurent à Montréal vont savoir c'est quel quartier. Moi, j'appelle ça le Bronx de Montréal, ce quartier-là. Puis, c'est ça, j'ai tout le temps vécu sous l'emprise de ma mère. Parce que c'est moi qui étais la mère, puis c'est elle qui était la fille. Elle avait tout le temps peur, elle pleurait tout le temps. Moi, je vivais beaucoup de culpabilité. Je me suis privée de sortir, je me suis privée d'avoir des amis. Puis qu'est-ce que ça a fait aussi, c'est que je me suis beaucoup référée, ben pas référée, je me suis beaucoup abandonnée dans le spirituel. Quand que j'allais à la messe puis qu'on parlait de Jésus, ben mon Dieu Seigneur, c'était wow, là, c'était extraordinaire ce monde-là, puis le monde de l'invisible.
Puis ça, ben, Jésus, ben, ça a été mon ami, ça a été mon confident, ça a été mon sauveur. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, Jésus était l'être vers lequel et par lequel l'amour s'exprimait? Oui, oui, parce que chez nous, il n'y avait pas d'amour. Aucune. Puis c'est par l'amour de Jésus que j'allais chercher ce besoin qui était en dedans de moi. J'avais besoin de donner d'amour. Oui, j'en ai donné. J'ai toujours donné d'amour, mais j'ai jamais reçu. En tout cas, j'ai suivi une thérapie. Puis souvent, vous allez entendre parler de thérapie parce que je l'ai poursuivi pendant 5 ans. En thérapie, je me suis rendu compte que non, j'ai pas été aimée de mes parents, mais pas du tout. C'est pas de faute à eux autres. Ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, comme on dit. Puis ben, ça m'a apporté des cadeaux, des forces. Que si j'aurais pas eu ce chemin de vie-là, je serais pas devenue l'être de lumière que je suis aujourd'hui. Puis pour poursuivre mon chemin de vie, je me suis mariée pour pouvoir me pousser de chez nous. T'émanciper en fin de compte, trouver ta liberté. Oui, trouver ma liberté, parce que je n'étais plus capable de vivre avec ma mère. De toute façon, elle avait été placée à l'hôpital psychiatrique, puis elle avait reçu même aller jusqu'à des électrochocs. Ouf. Puis, quand elle est sortie de là, mon frère il a présenté un oncle à sa blonde, puis ma mère, ben, elle tombait en amour avec cet oncle-là. Moi, ben, je me voyais pas là, aller vivre avec eux autres parce que lui, je le connaissais pas. Puis non, ça me tentait pas. Puis là, ben, j'avais 17 ans. Puis j'ai rencontré un homme. Puis lui, ben, il était 10 ans plus jeune que son frère, puis 12 ans plus jeune que sa sœur. Fait que c'était le dernier. Puis là, ben, son père, il avait hâte que le dernier se marie. Parce que, bon, il n'était pas un cadeau, entre guillemets. Il était alcoolo, puis il faisait toutes sortes de choses. Bon, en tout cas, on va passer ce bout-là. Fait que je suis rentrée en relation avec Gilles, le père de mes filles. Puis je me suis mariée. Puis moi, qu'est-ce qui était important dans ma vie là, à l'époque, là, c'était, ben, c'est encore bien important, ça sera toujours important, là. C'était d'avoir des enfants. C'était juste ça qui était important pour moi. Le restant, là, il y avait rien d'important dans la vie, sauf avoir des enfants. Puis j'ai eu mes filles. Puis à un moment donné, moi, je me sentais morte en dedans de moi. Je me sentais... J'étais comme un zombie. Carrément ça. Puis au bout de 12 ans de mariage, il y a eu un élément déclencheur. C'est un voisin. Lui, il avait fait une histoire à côté, il avait un petit chien. Puis bon, les filles s'occupaient du petit pitou. Puis lui, ben, était en train de chercher le petit pitou. Puis moi, ben moi, j'avais aucun contact avec le monde extérieur parce que j'étais avec un jaloux possessif. Comme disait mon psychologue, il n'y a pas de seringue ni de corneille. J'étais allée chercher un être qui était comme ma mère. Puis mon père en même temps. J'ai vécu de l'abandon, du rejet, comme avec mes parents, avec le père des filles. C'est souvent l'expérience est. L'expérience de couple que pour les gens souvent c'est un peu le partenaire est souvent le reflet soit de la maman soit du papa souvent ouais. Comme une extension comme si on voulait que cet être soit plus beau encore que ce qu'on attendait de nos parents. Oui, ben c'est du connu hein, quand on n'a jamais goûté à c'est quoi l'amour, c'est quoi les caresses, c'est quoi la tendresse, c'est quoi l'écoute, c'est quoi être valorisé, c'est quoi donner de l'amour, c'est sûr qu'on va aller chercher
ben, le trois quarts du temps, là, de qu'est-ce que j'ai vu en thérapie, parce que j'ai fait des thérapies de groupe aussi, là. Puis toutes les personnes qui étaient là, ben, ils ont toutes été chercher la correspondance de soit un des deux parents ou des deux parents. De relation à relation, c'est toujours le même pattern qui se reproduisait, puis on comprend pas pourquoi qu'on va chercher des personnes dans le même, ben c'est pour ça. C'est parce qu'on n'a pas goûté à qu'est-ce que c'était l'amour. Puis, ce voisin-là, ben à force de discuter avec lui, puis tout ça, puis là, hey, waouh, quelqu'un qui s'occupait de moi, quelqu'un qui a pris la peine même de m'emmener une petite cassette avec une chanson que j'avais demandée. Je sautais comme un lapin dans la maison, moi, là. J'en venais pas. Hey, quelqu'un, là, qui avait pensé à moi. Mon Dieu, Seigneur. Hey, c'était quelque chose, là. Puis. C'était la première expérience de ta vie où une personne t'a manifesté de la tendresse, de l'attention. De l'attention, oui. De l'attention, puis de l'écoute. La tendresse, non, pas. non, ça, c'est. Non, ça n'a pas été ça avec cette. Cette personne-là, non. Mais c'était une passion, par exemple. Oui, c'était une passion, cet homme-là, parce qu'il m'avait fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Puis on a commencé à aller danser, puis tout ça. Puis, mon Dieu Seigneur, c'était l'euphorie totale. Là, je me suis séparée. J'avais une grosse boule qui montait ici. Puis, moi, j'avais peur de laisser, parce que moi, je m'étais dit, plus vieille, là, mais je me marie, là, ben moi, je ne ferai pas comme mes parents. Moi, je ne me séparerai pas. Ben, c'est pas vrai. Puis ça, c'était dur d'accepter ça. Puis lui, ben il me parlait, puis il me disait, ben gars, là, Louise, là, c'est pas parce que toi, qu'est-ce que tu as vécu avec tes parents que, tu sais, Gilles va faire pareil avec les filles, là. Mais à force de me parler puis de me faire réaliser des choses, ben là, la boule a monté en dedans de moi. Puis là, ben ça a fait, ben là, je suis plus capable. Puis lui, c'était un alcoolique, puis moi, j'étais la soumise, là, mais totale soumise, là, quand on dit soumise, un non, moi, je disais jamais non. Jamais, je disais non. Est-ce que tu peux considérer qu'à l'époque, tu étais soumise, mais en même temps, est-ce que tu n'étais pas de façon à toi de... d'exister par rapport aux autres? J'existais pas. Non, du tout. J'existais pas. Non, même que quand j'ai laissé Gilles, là, il se demandait, c'est bien sûr, qu'est-ce qui se passait. Là, écoute, là, pour une fois, je parlais, là, c'était. Il n'en venait pas. Puis, peut-être 2-3 semaines par après la séparation, là, il m'a dit, tu devrais aller consulter un psychologue, là, je ne te reconnais plus. Puis à l'époque, j'y avais répondu, bien peut-être que plus tard, je vais avoir besoin de consulter, là. Mais là, là pour l'instant, là, qu'est-ce que je me rends compte, là, c'est que je suis devenue toi. Je suis pas moi, je suis toi. Je parle comme toi, j'agis comme toi, je respecte par toi, je suis toi. Puis qu'est-ce que j'ai aimé? Là, je me disais, ben c'est pas je me disais, ça faisait, hey, là, j'apprends à me connaître, j'apprends à me découvrir. La musique, écoute, c'était une passion, la danse, c'était une passion. Je commençais à vivre. À l'âge de 32 ans. À l'âge de 32 ans, là, Alain, il avait débloqué quelque chose en dedans de moi qui a fait que je me suis sentie vivante pour la première fois de ma vie. Pendant un an, là, je te dirais, j'ai parti ça à go, là. Vraiment, là. Puis Alain, j'avais jamais été capable de dire que j'étais en amour avec lui, peut-être parce que la peur de me faire dire non, à force de me faire dire non de tout le monde, c'était comme. Puis c'était bien correct. Mais j'ai vécu, c'est ça, pendant 14 ans avec cette passion-là. Mais avant de... C'est parce que j'ai vécu beaucoup de relations, là. En dessous. J'ai laissé ça. J'ai laissé le père des filles. Après ça, ben là, j'étais la révoltée. Quelqu'un me payait un verre d'un bar. Moi, non, tu ne me payes pas rien. Puis je suis capable de payer mes affaires. Puis
C'était là, la révolte totale. Puis là, après ça, j'ai rentré en relation avec un autre homme. Je me suis mariée une deuxième fois. Ça n'a pas fonctionné. Il était trop parfait. Puis je disais tout. Toi, là, t'as un problème, t'as vraiment un problème. Non, t'as pas de problème. Fin de l'histoire, écoute, oui, il avait un problème. Il flattait la bédaine. Il se faisait flatter la bédaine par ma plus vieille, qui était adolescente. Fait que là, bon, ben, résultat, un autre échec dans ma vie. J'ai laissé. J'ai fait faillite. Je me suis pas mis la tête dans le sable, pas du tout. La minute que j'ai su ça. Tu étais indépendante à l'époque, tu travaillais, tu gagnais ton propre revenu ou tu dépendais du revenu de tes premiers maris? Le premier, j'ai dépendu. Non, ben, on travaillait tous les deux. Puis quand j'ai eu ma première, j'ai décidé de rester à la maison parce que pour moi, c'était important de vivre toutes les étapes. Je voulais pas manquer un bout, même pas un petit bout de long de même, là. Je voulais rien manquer, je voulais tout voir. J'avais arrêté de travailler par rapport à ça. Puis la deuxième, ils ont 5 ans de différence. C'était la même chose. Puis Chantal, la plus vieille, ben c'était jusqu'à temps qu'elle commence l'école. Fait que quand elle a commencé l'école, ben moi je venais d'accoucher d'Annick. Fait que là, j'ai été à la maison jusqu'à temps que je me sépare. Puis quand je me suis séparée, ben là, la plus jeune a commencé l'école. Puis là, ben moi, j'avais mon secondaire 5. Ben c'est bien sûr que je me suis retrouvée, je travaillais pas, je me suis retrouvée sur le bien-être social. Puis là, ben moi, ça a fait, ben moi, je passerai pas ma vie là-dessus. C'est donc ben pas vrai. Fait que j'ai été peut-être 3-4 mois sur le bien-être social. Puis là, à un moment donné, je cherchais dans quoi m'en aller. Puis une de mes voisines, elle m'avait dit, oui, je te verrai en coiffeur. Puis oui, j'aimais ça, travail manuel, puis tout ça. Puis elle m'avait fait pratiquer un peu, Mylène, puis tout ça. Puis j'ai dit, ouais, on va aller là-dedans. Ben, je suis allée suivre mon cours, j'étais arrivée au bien-être, bien déterminée, puis moi, c'est ça que je veux faire. Puis ils m'ont tout payé mon cours, ils m'ont tout payé. Puis après le cours, là, j'ai rentré à biscuiterie, une des biscuiteries, parce que c'était plus payant. Sauf que la coiffeuse, oui, c'était bon de suivre le cours parce que c'est un métier. Puis quand j'étais au chômage, ben je pouvais aller travailler en coiffeuse, puis j'en faisais aussi à maison. Est-ce que pendant cette période donc, où tu travaillais, tu avais cette expérience avec tes premiers maris? Comment s'exprimait ton chemin spirituel à l'époque? Tu allais à la messe, tu pratiquais la religion, comment ça se passait juste? Non, je pratiquais pas. J'étais pas pratiquante de religion, pas du tout. Sauf que quand que je vivais, là, je pensais pas broyer, mais ça monte, là. Quand que je vivais des affaires dures, j'écrivais. J'écrivais beaucoup. Puis c'était les questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Puis pourquoi se faire? Moi, j'avais aucun ancrage. Je me sentais pas sur la bonne planète. J'avais une grosse boule d'amour en dedans de moi qui était après m'étouffer. Puis je pouvais pas. Il n'y avait rien qui passait, là. Tu sais, dans le visible, là. C'est, à part de mes enfants, là. Je trouvais pas ma place. Je me demandais qu'est-ce qu'on faisait ici. Ça n'avait aucun sens, ça avait aucun bon sens. Puis c'est ça, je remettais tout le temps ça à Dieu. Aide-moi. C'était ça. Puis j'écrivais, puis j'écrivais ma douleur, je criais ma souffrance. Puis je me réfugiais, oui, en Jésus, en puissance supérieure. Puis, c'était ça. Puis, quand que... Là, je sais plus ce que je suis en disant mon histoire, parce que il y en a tellement passé d'étapes. Puis, c'est ça. Je t'ai coupé au moment où tu parlais de ta formation coiffure. Oui, je suis allée sur ma formation coiffure.
Puis là, il m'était présenté d'aller travailler dans une biscuiterie. Puis j'ai choisi d'aller travailler à biscuiterie vu que j'avais les filles. Puis le fait d'aller travailler en coiffeur, ben il faut se monter une clientèle, puis tout ça. Puis bon, par rapport à l'argent, par rapport aux enfants, c'était plus sage pour moi d'aller travailler des biscuits. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis par après, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, je me suis séparée du deuxième mari. Puis là, mon bain m'était propos. Puis là, ben j'avais parce que la biscuiteuse que je travaillais, ça a fermé. Puis j'ai une de mes filles que j'avais placée en centre d'accueil par rapport à des problèmes, de différents problèmes. Là, ça c'est trop long à expliquer, mais en tout cas, finalement, c'est ramassé en centre d'accueil. Puis celui qui l'a pris sous son aile, son éducateur, moi je voyais aller ça, puis moi, dans le mois, ça faisait. Oh, wow! Et ça, j'aimerais ça, faire ça, travailleuse sociale, travailleuse de rue. Parce que les enfants, pour moi, c'est. Ça, c'était ma vie. C'était ma vie, les enfants. Puis, j'aurais pu aller suivre le cours, j'avais tous les outils. Quand que la compagnie a fermé le biscuit, j'avais le choix d'aller étudier là-dedans. J'avais les capacités pour le faire, j'avais tout un plateau d'argent. Même l'éducateur à ma fille était prête à m'emmener avec lui pour m'aider, suivre les cours, faire les formations, me placer. Les volumes, je les avais par une autre de mes filles qui, elle, avait une amie puis qui avait commencé le cours. Puis finalement, elle avait abandonné. Fait que les volumes, je les aurais eu parce que j'avais pas beaucoup de sous. Les volumes, je les aurais eu à pas cher. Tu sais, j'avais tout. Sauf que j'ai été appelée à Montréal pour aller travailler. Puis c'était payant. Fait qu'encore là, c'est comme le timing, puis il n'y a rien qui fonctionnait dans le sens dans qu'est-ce que je voulais vraiment, mais vraiment faire. Fait là, ben, j'étais allée travailler, j'ai abandonné le projet par rapport, ça prenait encore là des sous, tu sais, retourner à l'école, oui, je l'aurais faite, mais j'aurais pas eu mes filles. Fait que mes filles étaient plus importantes que d'aller travailler là-dedans. Fait que j'ai choisi d'abandonner. Abandonner cette carrière-là, mais ça a toujours été présent, ça, en dedans de moi. Puis pour en revenir au cheminement, la passion, à un moment donné, est revenue dans ma vie. Puis j'ai tellement eu de fun, là, avec ce bonhomme-là, là. Il m'emmenait, là, dans, écoute, c'est bien sûr, c'était un musicien, c'était un magicien, musicien égale magicien, pour moi, c'est ça, là, tu sais, c'est... Puis, la vie a fait que, j'étais en passion 14 ans avec lui, mais la vie a fait qu'à un moment donné, on a vécu ensemble. Et là, moi, ça a fait, wow! Wow! Mais oui, wow, la descente aux enfers! Ça a été, on peut appeler ça la dépassion. Là, j'ai atteint, je me suis ramassée à l'hôpital, moi, je voulais mourir. Vous étiez bien... Ensemble, tant que vous ne viviez pas ensemble, dès que vous étiez oui. En couple, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. C'était vraiment, là, mais vraiment l'enfer. Quand on a pris appartement ensemble, lui, c'était. Il avait une maladie mentale, lui aussi. Pigre, ma mère, c'était un cas d'hôpital. Puis, c'est ça. Il est venu habiter avec moi. Je l'ai pris en charge, dans le fond, c'est ça, tu sais. Puis j'avais son petit gars une fin de semaine, ben pas une fin de semaine, une semaine sur deux à la maison, puis lui, il était incapable de s'en occuper. Fait que c'est moi qui s'en occupais. Puis je travaillais de nuit, à l'époque. Puis lui, Alain, il dormait toute la journée. Puis il était dans noirceur, mais total, là. On va sauter ce chapitre-là, ça me tente pas d'en parler, là. Puis, à un moment donné, là, ça a fait, là, ça va faire. Là, ça va faire. J'étais arrivée une journée, puis là, j'ai dit, là, tu te trouves un appartement, un logement, tu te trouves de quoi? Puis, lui, il voulait pas. Mais je suis pas capable de trouver ça. J'ai dit, moi, puis, maman va t'en trouver une, moi. Puis, c'est ça que j'ai fait. J'ai trouvé une chambre, puis,
il a déménagé de chez nous, mais du coup, j'avais comme toutes les émotions gelées, ça s'est fait. Puis, mais j'étais encore j'étais sous son emprise, comme que j'étais sous l'emprise de ma mère. Mais j'étais sous son emprise à lui, mais d'une différente façon. Je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais c'était une autre force d'emprise. C'était une emprise qui relevait de la psyché et pas du physique. Hein? Oui, de la psyché. De la psyché, oui, exactement ça. Ma mère, elle, c'était psychologique, puis lui, c'était de la psyché. Puis, à un moment donné, moi, ça fonctionne tout le temps par élément déclencheur. À un moment donné, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que j'ai carrément débarqué de cette, complètement débarqué de cette énergie-là, parce que c'était une forme d'énergie. Il était en relation avec une autre fille, puis c'est une fille qui était handicapée mentalement, elle aussi. Puis lui, ben, tu sais, il avait continué à venir chez nous pareil, même si on était séparés, parce que moi, tu sais, je pleurais. Par après le coup de choc qu'il était parti, là, je pleurais beaucoup, puis je voulais parler, puis je voulais le voir, mais. Fait que c'est ça, il venait chez nous. Puis à un moment donné, il était en relation avec une personne handicapée mentalement. Puis là, il téléphone à une autre fille. Puis là, ben, je vois que. Que l'autre là, qui était avec là, est comme peu importante. Fait là, j'ai dit, ben quoi, Sarah, qu'est-ce que tu fais avec Sarah si tu vas rencontrer une autre fille? Ben, il dit, Sarah, on s'en fout de Sarah. Moi, ça a fait pardon. Tu te fous de Sarah? J'ai dit, toi, là, tu viens chercher. Puis j'ai dit, en plus, là, elle est handicapée mentalement. J'ai dit, t'es capable de faire une affaire dans la même, toi? J'ai dit, gars, là, tu viens chercher le meilleur de nous autres, là. Puis j'ai dit, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu nous prends, puis tu nous sacs au vidange. Un pervers narcissique, c'est ça. Fait que, moi, ça. Puis, moi, là, la défendrice, là, des faibles, là, je suis là. Je suis vraiment là. Ça a fait non. D'un côté, fini. Maman protectrice. Hein? T'avais ton côté. Oui. Oui, très. Protectrice. Oui. Très. Oui, oui. Ah, oh, oui, oui, énormément. Ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont mal nantis, toutes les personnes, toutes ces personnes-là, là, j'ai une sensibilité énorme. Mais ça, c'est merci, papa, maman, parce que c'est à cause d'eux autres que j'ai ça. Oui. Puis c'est un plus. Puis je l'adore, ma sensibilité, parce que moi, quand j'étais petite, là, on me traitait de broyade. Louise, tu broyes tout le temps pour rien. Mais non, Louise, elle broyait pas pour rien. C'est parce que Louise, elle avait pas d'amour. Puis on a essayé d'écraser tout ça, là. La sensibilité, l'épanouissement, la spontanéité. On m'a éteint. On a essayé de m'éteindre. Mais on n'a jamais été capable de m'éteindre. Je me suis rallumée. Il est resté une petite flamme en dedans de moi, là. Puis elle a fait. Ça, eux autres n'étaient pas au courant. Mais c'est ça. Donc, lorsque tu viens à cesser ta relation avec ce musicien, tu avais quel avec âge? Alain. T'avais quel âge à peu près? Oh my God! J'avais. Oh my God! Moi, le temps, l'espace, là, j'ai tout le temps eu de la difficulté. Les filles étaient grandes, hein? Mes filles étaient grandes. Arriver puis mettre des années, là, non, ça, je suis pas capable, même des fois, maintenant qu'à l'âge que j'ai, le temps, l'espace, j'ai bien mis de la difficulté avec ça. Moi, j'ai été, je te dirais, je sais pas, c'est vaporeux, c'est pas important pour moi. Tes filles étaient plus à ta charge. Mes filles, oui, mes filles, attends, oui, mes filles étaient à ma charge. D'accord, ouais. Non, excuse, non. Non, il n'était pas à ma charge, les filles, dans ce temps-là. Non, il n'était pas à ma charge, mais ça faisait pas tellement longtemps. Il n'était plus à ma charge. Puis, là, ben c'est ça. Je l'ai laissé, puis tout ça. Puis, là, moi, je voulais mourir. Là. Écoute, c'était l'enfer. Puis là, ben j'avais un copain à l'usine.
J'avais un copain, mais un ami à Lisbonne, que tu connais, Claude. Mm-hmm. Puis Claude, il cherchait Dieu partout comme moi. On cherchait. Chantez, Claude. On cherchait Dieu. Puis à un moment donné, il me dit, Louise, faudrait que tu viennes voir un bonhomme, il fait des conférences. Là, ça a fait, non, moi, ça me tente pas, là, je suis tannée, là, ça me tente pas, parce que Claude, il arrivait avec toutes sortes d'affaires qu'il est allé voir, puis bon, il me racontait toutes sortes de choses, puis ça me disait pas. Puis là, ben, à force de m'avoir bien, ben oui, j'y étais. J'arrive là, puis le conférencier, c'est devenu mon thérapeute, c'est un psychologue. On va couper là. OK? OK.